La course à pied dans l'année, c'est 3 à 4 fois par semaine. Je fais des semis, des 10 km, des marathons, et tous les 2-3 mois, je participe à des courses solidaires. Courir pour moi, c'est vraiment le moyen de me défouler, de lâcher prise, de aussi de gérer mon stress ou mes angoisses qui peuvent être présentes dans ma vie. J'ai commencé à courir quand je faisais mes études, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Puis ma maman est tombée malade à ce moment-là. Elle a eu un cancer du sein. Du coup, le moment où j'allais courir, c'était le moment où je pouvais tout lâcher. Donc la course m'a beaucoup aidée à traverser cette épreuve-là. Aujourd'hui, j'ai pas la même course qu'il y a 10 ans, puisque je suis moi-même tombée malade il y a 3 ans. C'est moi qui suis touchée par le cancer du sein. Ça m'aide à traverser moralement cette épreuve, mais aussi physiquement. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour avancer durant les différents traitements. À retrouver de l'amour pour ce corps, pour ses jambes, pour ses bras, pour mes seins, puisque c'est ça qui a été aussi impacté. Après avoir couru, j'ai un sentiment de plénitude. Je me sens plus légère, que ce soit dans le corps, dans la tête. Je sens que j'ai tout donné, c'est une sensation que j'adore. C'est un bonheur incroyable. Aujourd'hui, je suis résiliente.